jeu. Notre coup de cœur du dernier mois va à Cat in the Box, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de pli super original. Ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu de pli, c'est que, admettons que je commence la main avec un 3 bleu, mais c'est le joueur qui va mettre la carte bleue la plus élevée qui va remporter le pli. Ici, le principe qui est original, c'est que les cartes n'ont pas de couleur. Et pour déterminer les couleurs, ça va être un plateau central qui a tous les chiffres de toutes les couleurs. Et si, que, par exemple, je voulais jouer mon 3 bleu, il faut que le 3 bleu soit disponible sur le plateau et je vais mettre mon jeton dessus pour le réserver. Donc, il n'y a plus personne qui peut jouer cette carte-là. Ce principe-là, il va avec une stratégie aussi qui est vraiment le fun parce qu'au début de la manche, il va falloir estimer combien de plis qu'on pense gagner. Puis si on réussit exactement le nombre de plis qu'on gagne, on va avoir le droit de faire un deuxième décompte de points. Et le décompte, c'est selon les jetons qu'on met dans le plateau central, les jetons adjacents. Notre plus gros groupe, ça va nous donner nos points. Donc c'est vraiment le fun parce qu'il y a plusieurs petites stratégies puis des sous-stratégies aussi. Ça rend le jeu vraiment intéressant, facile à prendre en main aussi. Donc c'est un très bon jeu qui est Cat in the Box. Lis le jeu.